c'est M. Léon Blum que la Chambre, par la voix de son président, M. Vincent Auriol, désignait pour former le gouvernement. L'honneur de vous informer que par 575 voix sur 590 votants, l'Assemblée nationale vous a confié la haute mission de constituer le gouvernement provisoire de la République française. S'il est vrai, comme le vote de l'Assemblée semble en témoigner, que je puisse contribuer à tirer le peuple français et la République d'une situation difficile et peut-être périlleuse, ce sera la récompense la plus précieuse et la plus chère d'une vie qui leur a été consacrée tout entière. Les deux grands amis s'embrassaient.